Eh bien bonjour à tous, c'est Loris Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la préparation pour l'ouverture de la truite. Donc, je vais faire deux vidéos là-dessus. Une donc celle-ci qui va se comporter uniquement sur les cannes et moulinets. Et l'autre sur tous les leurres que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite. Donc je vais commencer par la première chose. Il y a deux cannes pour moi et mon père. Donc voilà la première. Une de chez Shakespeare, c'est la Conquest, donc c'est une canne AliExpress. Elle fait 1m80, elle peut lancer du 6-12 grammes. Donc elle est montée sur un moulinet Inei, le SG100, qui fonctionne très bien, tout fonctionne bien. Elle est en carbone, donc c'est très léger. Deux brins, donc 1m80. Je pense qu'on a fait le tour. Nous avons une petite encoche pour mettre le leurre, comme une cuillère par exemple. Voilà, c'est fait exprès. Ouais. Allez, je passe à la canne, qui est la mienne. Ça c'est la canne à mon père, celle-ci c'est la mienne. Donc c'est la Lunker. Voilà. Monté aussi sur un Kinei SG100. Voilà. Vous avez une petite annotation en haut. Si vous jamais vous voulez voir l'unboxing. Voilà. Deux brins. Voilà, petit peu, un peu. Les anneaux sont bien renforcés sur les deux cannes. Le frein sur ce moulinet aussi fonctionne fort bien. Donc ça a été. Un bon achat sur le moulinet. Donc celle-ci aussi est en carbone. Elle mesure 1m80 aussi. Voilà. Elle est en carbone très légère. Avec même à monter avec là-dessus. C'est très léger. Elle par contre lâche du 5-15 grammes. C'est un peu plus. Le talon il est court. Comme vous pouvez le voir. Il est plutôt court, c'est parfait. Ça tape très bien à mon bras. Oui. Une action progressive. Voilà. Et également l'autre aussi, une action progressive. La Shakespeare Conquest a aussi une action progressive, tous les deux. Donc lorsqu'on lâche une cuillère, on ne sent pas trop les vibrations là-dessus. Voilà, c'est vraiment pas mal. On ne sent pas trop, elle absorbe les coups de tête des poissons, elle est vraiment bien. Franchement. Les anneaux sont bien renforcés. Comme voilà, je vais montrer sur le gros, ce sera beaucoup plus visible, très renforcé. Du solide. Pour 15 euros, je crois, la canne. La canne, je crois qu'elle vaut 15 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais vous montrer les cannes une fois qu'elles sont montées. Avec la grande longueur respective. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner.